Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour Le Prince Louis, vraie star du jubilé, Elisabeth II éclipsée par les grimaces du fils de William et Kate. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Le monde comptait les jours avant que ce jeudi 2 juin n'arrive enfin. La santé en déclin de la reine faisait craindre le pire pour nos voisins britanniques, inquiets que la souveraine de 96 ans ne tienne pas le coup jusqu'aux célébrations. Elisabeth II montait sur le trône à 25 ans seulement. Comme elle l'avait promis, elle n'a rien lâché du développement qu'elle avait promis aux Britanniques à l'époque. Malgré les périodes de turbulence qu'elle a connues son règne, Londres était donc en fête pour cette journée symbolique. Mais dans leurs habits de lumière, les membres actifs du clan Windsor se sont montrés au balcon du palais de Buckingham. Son apparition a d'ailleurs ému les fans de la couronne, tout pays confondu, puisqu'elle ne devrait normalement pas s'y montrer pour des raisons de santé. Mais l'attention était portée sur une toute autre personne dans les secondes qui ont suivi, le prince Louis. Le benjamin de Kate et de William était bel et bien la star incontestée. Il a volé la volette à la reine. Le petit frère de Charlotte et de George ne tenait pas en place. Déjà sur le calèche, il menait au palais. Le petit Louis abusait un peu trop des gestes de main, au grand dam de sa sœur Charlotte, qui, en vain, tentait de calmer ses ardeurs. Mais il a été surtout vu en train de faire de nombreuses grimaces de mou de boudeuse, qui ne sont pas sans rappeler ses aînés au même âge. Pas question de se tourner les pouces et de rester sans rien faire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.